Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir les colos du mois. Les colos du mois de mai. Les colos du mois de mai. Donc, vous voyez, j'ai quand même été assez productive. Donc, je vais le poser là pour bien voir. Et on va commencer avec le premier que j'ai réalisé. Donc, c'est un sac UM. J'ai voulu tester pas mal de trucs, des encres, de l'aquarelle. Donc, j'ai tout fait avec les Albrecht ou les Museums, je ne sais plus. Et le fond, j'avais pris des White Knight. Et après, j'avais pris l'or Winsor et Newton. Là. Le petit pot d'or que j'ai fait couler pendant que l'aquarelle était encore mouillée. J'ai adoré le faire. Je crois que ce mois-ci, dans celui-là, j'ai fait que celui-ci. Ouais. J'en ai fait un autre de sac UM, mais c'est dans le dernier. Hop, donc là, c'est dans le 2017, celui-ci. J'adore ces livres, ils sont magnifiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à la retrouver. C'est sur un autre site que sur Patreon. Mais bon, grosso modo, c'est la même chose. Elle a mis tous ses nouveaux liens pour adhérer au lieu du Patreon à ce support-là sur son Insta. Ensuite, j'ai réalisé la Reine de cœur de Kevin. Je l'ai réalisé avec les Marco Tribute. Et le fond, je l'ai fait avec les aquarelles Tini qui sont tout simplement des pépites. Pour moi, c'est les meilleures aquarelles granulation que je possède. J'ai adoré. J'ai mis du résil partout, du coup. Là. Je l'aime beaucoup, celle-là. J'adore tout ce qui est avec des cartes et tout ça. J'adore. Après, ah bah, il est là. C'est le deuxième que j'ai fait de cette UM. C'est dans son dernier, c'est celui-là. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec les Albrecht et les Tini. Oui. Oui, des Tini. Je me suis éclatée à le faire. Ensuite, j'ai fait la Kevin, la Rasta. Du coup, je me suis dit, hein, tant qu'à faire une Rasta, j'ai fait les yeux éclatés, j'ai fait un bob. J'ai regardé un peu des affiches Jamaïque. Et à chaque fois, ce qui ressortait, c'était soit Jaja, soit Kingston, Jamaica, tout ça. Donc bon. J'ai adoré l'affaire, elle est trop trop belle. Ensuite, j'ai fait la Dame de Pique. Alors là, pardon. La Jamaica, je l'ai fait avec les polychromos, les light fast. Et le fond, j'ai fait avec les aquarelles quoi. C'était Maïté qui m'en avait parlé. Et franchement, oula. Je vais vous montrer le pack. J'en ai qu'un petit pack. Et comme j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'aquarelles et que j'ai des couleurs classiques et granulations dans ce pack-là, j'en prendrai pas d'autres. Elles sont vraiment top, ces aquarelles, c'est incroyable. Elles sont vraiment super. Pardonnez-moi. Donc ensuite, j'ai fait la Reine de Pique avec les Black Faber et aussi les aquarelles quoi, justement. Après, j'ai voulu tester les macarons, les crayons macarons de Brut Funer. Donc j'ai pris le livre de Véro. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc, je l'ai fait avec les macarons. Un peu de polychromo, je crois, pour les cheveux. Parce que dans la boîte des macarons, il n'y a vraiment que du clair. Et j'ai fait le fond avec les pastels Sonelli. Comme je voulais finir. Je me suis éclatée à le réaliser. C'est dans celui-ci. Après, j'ai... Ah oui, j'ai fait le nounours de Kitty. Oh là là, il m'a pris du temps celui-là. Et puis, j'aime pas sa tête. Enfin, ce que j'ai fait avec sa tête. Je trouve qu'elle est déformée. Alors, c'est dommage parce que j'aime tout le contour. Et je me suis foirée sur sa face, quoi. Dégoûtée. Alors, j'ai testé les... C'était pour tester les chromaflots. Comme ça, j'avais pris plein de combos et tout. Notamment dans les nouvelles couleurs. Et j'ai adoré. Et j'ai pris quelques polychromos aussi, je crois. C'est dans le gothique Thalès.
Ensuite, j'ai fait Mulan. Oh là là, je me suis éclatée à faire ces petites princesses-là. Pourtant, c'est pas mon bail, tu vois. Mais j'ai adoré. Là, pour l'épée, j'ai mis du miroir, là. Truc miroir. Je me suis éclatée. J'adore les faire, ces princesses. Je les fais au Holben. Et j'ai utilisé les aquarelles Schmink pour le fond. Je l'adore. Alors, je crois pas que ce soit ses couleurs d'origine. Ma foi, j'ai eu envie de changer. Ensuite, il a fait une autre Asta. Donc, du coup, je suis restée sur le thème de la Jamaïque. Et là, je l'ai fait avec de l'acrylique et les polychromos. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le skin dans une Actufia ou sur le Colo Club. J'ai fait le skin en vidéo. Et là, c'est pareil, j'ai essayé de lui faire les yeux éclatés. Et j'ai fait un fond Rastafari. Ensuite, alors là, je pense que c'est ma préférée du mois de mes colos. Tant en dessin qu'en mise en couleur. Bon, normalement, elle est en format carte postale dans le Patreon de Kevin Théo Art. Je l'ai imprimée en A4 parce que j'adore ce dessin. J'adore. Tout ce que ça. Je trouve qu'elle veut dire plein de choses. J'adore ce dessin. Je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai utilisé les polychromos et les White Knight. D'ailleurs, je l'ai fait en pas à pas, celle-là, je crois. Sur ma chaîne ici. Ensuite, on a fait un live avant Patreon avec Adeline. J'ai réalisé celui-ci de Grazia Salvo dans le Brightness que j'ai bientôt fini. Et maintenant, je vais pouvoir le brûler comme je sais qu'avec les Patreons. Je vais avoir des colos de Grazia tous les mois. Mais ça, mais c'est que du bonheur, quoi. Je suis trop contente. Je l'ai fait avec les polychromos et les White Knight. Je l'ai fait en live, donc vous le retrouvez dans la catégorie direct sur ma chaîne. Ensuite, j'ai fait Mayumi. Un dessin de Mayumi Ara. Je ne sais plus comment ça se prononce. Pardon si j'écorne son prénom et son nom. J'ai fait au poly et avec les Derwent aquarelles. J'ai adoré la faire, celle-ci. Je me suis éclatée. Je la trouve trop belle le dessin et puis j'aime assez ma mise en couleur. Là, j'ai fait un duo avec Julia pour la Battle des Duos. Et c'est sur Zelda de Kevin Théoart. Et je l'ai fait avec les Luminances. D'ailleurs, j'ai fait le skin aussi avec en vidéo sur la chaîne du Colo Club. Elle est sortie là il n'y a pas très longtemps. Après, alors celle-ci, je l'adore. Alors pareil, hein, je crois pas que j'ai respecté ses couleurs. C'est Vaiana. Et du coup, j'ai regardé le dessin animé avec ma fille, parce que comme je l'avais colorié et que je l'avais jamais vu, bah j'avais envie de le voir. Et il est trop mignon, ce dessin animé-là. C'est trop trop mignon. Son histoire et tout, c'est trop mignon, Vaiana. J'adorais. Je l'ai fait avec les Prismas et j'ai utilisé les Senneliers pour la mer. Oh, alors ça, c'est le flop du mois. C'est Cassandre. J'adore tout, sauf bah, son visage. J'ai tout foiré, les yeux. J'ai fait une couche, deux couches, trois couches. Et puis les yeux, plus tu essayes de les arranger, plus tu fais un carnage. Donc celle-ci, j'aime son pull. Mais alors les cheveux, le visage, j'aime pas du tout. En fait, à part le pull, j'aime rien. J'adore le dessin, tout ça. Hein. Je parle de ma mise en couleur. C'est une catastrophe. Je l'ai fait aux crayons de couleur d'hiver et aux aquarelles. Parce que je sais plus quel crayon j'ai utilisé. Après, il y avait celui-ci. Alors, normalement, c'était un fond avec plein de mini-hardises. Et moi, les mini-hardises, c'est pas mon délire. Du coup, je l'ai totalement modifié. Et je me suis imaginé le petit prince. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu le petit prince. Bon, maintenant, je manque de technique, mais bon. L'esprit est là, on va dire. Et c'est trop drôle, parce que quand j'ai montré à Kevin, il m'a dit ah, c'est sympa, mais c'est plus du tout mon dessin. C'est vrai. Ensuite, celui-ci, je vous le montre que maintenant, parce qu'on avait fait un. On avait été nombreuses avec le Colo Club à faire tout le dessin en vidéo. Donc du coup, bah, avant de le poster et de vous le montrer là, je crois que je vous l'avais montré brèvement, mais
Je l'avais réalisé au Pablo et j'ai utilisé les paillettes Nuvo et de la colle pour le fond. Je me suis éclatée à la faire. Elle est super agréable à faire, cette petite poupée-là. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le deuxième livre de Véro. Je l'ai fait au polychromo et au senélier. Et je l'ai fait en live avec Adeline et j'ai adoré. J'ai adoré. D'ailleurs, on est en train de mettre en couleur les dessins de son prochain livre afin de l'encourager. On voit son évolution de livre en livre et je trouve que c'est très agréable. C'est le Gaïcha, le prochain qui sortira. Ensuite, je crois que c'est Infinity, celle-ci, de Kevin Tewart. Je l'ai fait avec les... J'ai utilisé beaucoup d'acrylique, là, comme je suis partie en noir et blanc. Et les aquarelles, c'est des tini, le fond. Alors, celle-ci, je suis vraiment partie, j'ai dessiné les pions, en plus. Bon. C'est à la fille, hein. Ensuite, on a fait en live avec Adeline en inédit pour la sortie imminente du prochain Patreon de Kevin Tewart. J'ai adoré le faire. J'ai fait un fond simple parce que je trouve que l'illustration est déjà très garnie. Je l'ai réalisé avec les crayons Arteza et pour le fond, j'ai utilisé les acryliques. J'ai adoré le faire avec ma chérie en plus. Donc trop trop bien. Ah, j'ai oublié les yeux. La nulle. À chaque fois, j'oublie un truc en ce moment. Donc bon, faut que je fasse les yeux. Je viens de le voir avec vous. La con. Donc les yeux à faire. Ensuite, pareil pour la sortie du nouveau Patreon de Gratia Salvo. Elle nous a donné en avant-première le premier dessin de son Patreon. Donc n'hésitez pas. Je l'ai réalisé au Pablo pour les cheveux, luminance pour la peau. Après, j'ai utilisé des acryliques et j'ai pris les aquarelles Tini pour le fond également aussi. Eh oh, je veux pas que tu te mettes dans le carton. Tu vas mettre tes poils. J'ai adoré. Donc, je vous rappelle que la meilleure solution pour encourager vos artistes, c'est de les aider via leur Patreon. Gratia vient d'en sortir un. Le premier palier est à 2,50 €. Vous avez deux PDF, franchement, foncez. Vous allez avoir que des belles surprises. Et voici la première pour son Patreon du mois de juin. Elle est tout simplement magnifique. En live, Adeline a réalisé la carte postale du deuxième pack hein, qui est à 4,50 €. Vous la découvrirez dans ses vidéos du mois et on la postera également dans la journée de dimanche. Donc aujourd'hui, si vous avez la vidéo d'écolo du mois dimanche, je l'adore, totalement fan. Et le dernier que j'ai fini, et là vous le découvrirez demain, le fond dans l'Actufia. Donc j'ai fait le fond avec les pastels galeries et tout le reste je l'ai fait au pit pastel. Et j'ai réalisé ce dessin en pas à pas, qui est un dessin de Jefferson Cruz que vous pouvez retrouver sur Insta. D'ailleurs, le dessin, il est gratuit. C'est pour ça que j'avais choisi celui-ci, pour celles qui voulaient s'exercer un peu. Bon, après, c'est faire à ma façon, parce que vous voyez mes cheveux, voilà, il y a encore beaucoup de choses à l'effet poil. Voilà, c'est moyen, ma foi. Quand on veut démarrer, il faut bien commencer par un point. Là, je vais vite faire refaire les traits là autour de l'oreille, parce que comme je viens de faire le fond, j'ai fixé et là je vais vite faire les traits tout autour de l'oreille, l'effet poil là. Je vais reprendre le tour du lapin en même temps que je vais faire les yeux. Ben, lui aussi j'ai pas fait les yeux en fait, sur les deux derniers j'ai oublié les yeux là et les yeux là, donc ça je vais le faire maintenant. Je les ai pas postés ceux-là parce que celui-là je viens de le finir et de faire la vidéo pour la que tu filles à demain, et celui-ci je viens de le finir également, j'ai fait le fond et là je viens de voir qu'il me manquait les yeux. Donc, je vais les finir avant de les poster. Le Gratia, c'est bon, j'ai rien oublié. J'ai fait les yeux, tout ça. Ouais, on est bon. Donc, voilà. Aïe, on a fait toute la boîte d'écolo du mois. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve demain pour l'Actufia. Et ensuite, n'oubliez pas qu'on se retrouve en live mercredi. Et c'est mercredi que je fais normalement le live tour. Je vais revoir ça avec les filles.
Attention, si c'est bien ce mercredi-là, ce sera annoncé en story avec le lien du live qui sera dispo en story après 22h. Gros bisous, passez un bon dimanche les filles, pleines de couleurs, les boys. Gros bisous, ciao.